C'est la route symbolique dont rêvent tous les passionnés de grands espaces. Avaler à moto ou en décapotable les 3800 km de bitume de la légendaire Route 66 reliant Chicago à Los Angeles. Ce rêve américain représente d'ailleurs le voyage d'une vie pour de nombreux Français. C'est une sensation de liberté en fait. La route qui file, c'est une évasion. Vous devriez tester, c'est vraiment bien. Des premières migrations économiques vers l'ouest dans les années 20 jusqu'au décor de Far West façon carte postale qui attire aujourd'hui les touristes du monde entier. Pourquoi celle qu'on surnomme la Mother Road raconte-t-elle plus d'un siècle d'histoire des États-Unis? Alors si vous programmez un jour de vivre le mythe de la 66, voici la plus belle portion à inscrire absolument sur votre roadbook entre Hotman et Flagstaff en Arizona. Friends. Welcome to Route 66 in Seligman, Arizona. Ambiance bike week à Hotman dans les collines de l'ouest de l'Arizona. Habituellement, cet ancien repère de chercheurs d'or fait figure de village fantôme autour de son vieil hôtel emblématique. À peine 10 habitants à l'année et quelques wild burros, ces mulets laissés en liberté. Mais aujourd'hui, la rue principale vibre au son de centaines de Harley. Ça sent bon vieux temps, des cow-boys dans cette ville. Oui, tout le monde aime l'esprit cow-boy ici. C'est le théâtre de l'Ouest sauvage, avec les motos qui remplacent les chevaux. J'aime beaucoup cette ville fantôme avec tout le décor qui va avec. Oui, c'est l'histoire. Vous n'avez qu'à regarder les bâtiments et vous faites votre propre film dans votre tête. Prenez ma moto et allez faire un tour. Vous sentirez les vibrations du moteur comme le tonnerre qui gronde sous vos genoux. C'est juste une super sensation. Si ces motards américains se retrouvent chaque année à l'occasion du festival River Run, pour d'autres, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Et on est surtout venu la première fois de notre vie faire la route 66. Et on attendait ça depuis très très longtemps. On s'était dit on le fera un jour et en plus on le fait avec des amis, c'est génial. Celui qui a la passion de l'Harley, là il se retrouve totalement. Surtout sur la route 66. Ce groupe de Bordelais a évidemment choisi des Harley et une Mustang cabriolet, les icônes indispensables pour traverser l'Ouest américain. Alors que 50 km les séparent de la prochaine étape, la route 66, traduction anglaise du terme itinéraire 66, dévoile ici quelques-uns de ses plus beaux panoramas. Route sinueuse et désertique, un régal pour les bikers. Là, c'est waouh, il n'y a rien d'autre à dire, merveilleux. La route est belle. Hein. Ah, la route est belle, la route est sinueuse. Et puis, bon, c'est chargé d'histoire. Il faut le faire pour comprendre, quoi. Quand on va l'expliquer aux copains en rentrant, ils ne vont pas comprendre ce que j'ai en train de vivre, là. Escale à Kingman, l'important centre ferroviaire de la région, car la 66 et le rail suivent le même tracé à travers le pays. Dans cet ancien dépôt devenu musée, sont résumées les grandes dates de la route 66 depuis sa création en 1926, avant le Dust Bowl, l'immense tempête de sable qui a poussé les fermiers à fuir les plaines du Midwest. Cela représente les différentes époques où les gens prenaient leurs affaires et partaient vers de nouveaux horizons lointains pour recommencer leur vie. Spécialement pendant la Grande Dépression des années 30, beaucoup d'Américains ont pris la direction de l'Ouest et de la Californie pour s'offrir de meilleures conditions de vie. Mais plus tard, beaucoup se souviennent aussi de leur voyage en voiture, en famille, à passer du bon temps. Dans le futur, la route 66 survivra-t-elle à la fin du tout pétrole? Cette exposition de voitures équipées de moteurs électriques montre en tout cas que les Américains sont prêts à s'adapter à une nouvelle ère, sans aucune goutte d'essence, tout en gardant le charme des modèles classiques. Mais la route 66 est aussi le berceau des fameux motels, contraction de motor et hôtel. On les compte par milliers entre Chicago et Los Angeles. Le rustique El Trovatore de Kingman date de 1937 et fait partie des plus anciens. Hello,
Ça rappelle en fait un peu l'époque où les gens arrivaient à cheval, laissaient leur cheval devant la chambre. Alors maintenant le cheval a été un peu remplacé par la moto ou la voiture. Et c'est vrai qu'on aime bien toujours arriver devant sa chambre avec la voiture, ouvrir la porte et dormir avec vue sur sa voiture. Alors celui-ci, il a une patine particulière parce que là, il y a des noms de stars affichés à chaque porte. Oui, il y a pas mal de gens très connus qui sont venus dormir ici, comme James Dean. Il y a eu aussi Marilyn Monroe, me semble-t-il. Ah, oui, dans des gens assez connus. D'un motel à l'autre, nous retrouvons nos bikers français à la découverte de la Mother Road. Au programme, d'interminables lignes droites et quelques arrêts obligatoires, comme Hackberry General Store, le parfait bric-à-brac vintage, entre vieilles pompes à essence et authentiques plaques de garage, le temps semble arrêté, la magie opère. Moi j'adore les cartes postales, j'adore tout ce qui est vieille pin-up, tout ça, tout ce qui est plaques, vieux meubles, salles, je trouve que c'est très beau, j'adore tout ce mélange. Comme un musée à ciel ouvert, le spectacle est permanent. Jamais vous ne vous ennuierez sur la route 66. Entre road trip anniversaire, par exemple, les 50 ans de l'Opel GT, la mini Corvette européenne. Ou ces petits cars chauds typiquement américains, quand les propriétaires de modèles classiques viennent parler mécanique sur un simple parking de restaurant. Ce que je suis venu faire ici, montrer ma voiture, discuter avec mes potes, on parle de nos dernières réparations, on profite de nos voitures. La route 66, c'est un peu notre point de rassemblement à tous. Il y a toujours quelque chose à faire. En tout cas, c'est l'endroit où il faut venir. Mieux que les Américains eux-mêmes pour vous faire découvrir les bonnes vieilles adresses de la 66, comme dans la ville de Flagstaff, en compagnie de Geoff et son combi laissé dans son jus. Si vous venez à Flagstaff, c'est vraiment l'endroit où il faut s'arrêter. Il y a de la bonne bouffe américaine. Et une fois par mois, il y a une soirée spéciale dans le style et l'ambiance des années 50. On vient danser le twist, c'est fun. Les plats sont bons ici. Les hamburgers, les frites, les petits déjeuners avec œufs, bacon, pancakes et saucisses. Ok, je vais tester, merci beaucoup. Hey, profites-en. Et dire que la route 66 a failli être rayée de la carte à cause de la multiplication des highways qui ont peu à peu remplacé le tracé originel. Officiellement, la route 66 sur laquelle je me trouve a été déclassée par les autorités en 1985. Question de sécurité, question de rapidité également. Mais pour éviter que ce tronçon tombe à l'abandon, eh bien, un homme s'est battu pour la sauver. C'est le barbier de Seligman, 91 ans aujourd'hui, toujours fidèle au poste. Avec son large sourire et sa bonne humeur permanente, Angel Delgadillo est devenu une célébrité aux États-Unis. Tout a commencé quand il a vu sa petite ville s'éteindre du jour au lendemain. Le 22 septembre 1978, les 9000 voitures qui passaient devant chez nous chaque jour se sont toutes dirigées sur l'autoroute qui venait tout juste d'être construite entre Kingman et Ashford sur une centaine de kilomètres. Et alors tout le trafic s'est reporté sur l'I-40 et la ville s'est arrêtée de vivre pendant 10 longues années. À force d'abnégation, Angel et les habitants de la région ont finalement obtenu que ce vieux tronçon soit rebaptisé Route 66 historique, tout un symbole. Il a fallu des années de discussions pour faire revenir le business. Mais je suis très heureux d'avoir réussi à préserver cette partie du patrimoine de l'Amérique. Et c'est à partir de la ville de Seligman que la route 66 a retrouvé une seconde jeunesse. Le rêve américain est toujours vivant à travers le monde.
Et aujourd'hui, le business de la route 66 tourne à plein régime. Boutiques de souvenirs et produits dérivés à gogo. Sans oublier les inévitables clins d'œil au film d'animation Cars, qui raconte la renaissance de Seligman, alias Radiator Springs. Vers l'est, notre groupe de Bordelais fait halte à Williams, petite ville-étape typique sur la Mother Road. Dernières impressions avant de quitter la route 66. C'est riche en couleurs, c'est riche en vie, voilà, c'est des paysans. J'ai pas de mots pour qualifier ça, j'en ai plein la tête, plein les yeux. Ça doit plaire à tout le monde, les mecs qui font de la moto et ceux qui n'en font pas. Et ceux qui font de la moto, ils vont découvrir la Harley parce que c'est fantastique. Sur ces routes-là, c'est fantastique. Nos Français poursuivent leur aventure vers le nord, direction le Grand Canyon. Mais la 66 continue sa route et vous fera traverser des états aussi variés que le Missouri, le Texas ou la Californie. Main Street of America n'a jamais aussi bien porté son surnom.